C'est un événement pour créer un lien dans la commune de Pougetenier et l'environ et créer un espace pour les jeunes pour rencontrer et partager leurs connaissances ou leurs compétences. Je m'appelle Agnès et pourquoi je viens à Secours ? Parce que j'aimerais bien arriver à parler anglais. Parce que comme j'ai déjà recommencé plusieurs fois et j'y suis pas encore arrivée, peut-être que cette fois, ce sera la bonne. Sait-on jamais ? Enfin, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est très sympa. Que, comme on n'est pas nombreuses, parce qu'on est que des filles, comme on n'est pas nombreuses, ben, c'est drôlement bien. Parce qu'on a vraiment le temps de réutiliser le vocabulaire, de parler ensemble et tout ça. Alors on fait un petit mélange français, anglais, ukrainien, occitan, enfin bref, tout. On met tout dedans. Voilà, c'est un moment très sympa. Et puis Katia, elle prépare plein d'activités variées, intéressantes, sous forme de jeux. Alors c'est plus rigolo. Et voilà, et donc ça nous fait parler. Je m'appelle Jocelyne. Bon, j'habite à ce village ici, puis j'ai teigné. Et le but premier, pourquoi je viens à CEPAGE, c'est effectivement pour me perfectionner en anglais. Et c'est très bien parce que ça se fait avec beaucoup de convivialité. Et ensuite, ce que je pense de cette activité, j'en suis très satisfaite parce que ça m'apporte beaucoup. Et nous avons affaire à Katia, une jeune fille qui parle très bien anglais, bien qu'elle ne soit pas anglaise. Katia est très créative. La discussion en anglais se fait par une méthode ludique, avec des jeux variés, des expressions. On apprend beaucoup d'expressions, des expressions en anglais et aussi en ukrainien. Et puis nous y en apprenons aussi en français. Donc voilà. Aussi, Katia s'intéresse beaucoup à notre région, à nos traditions, à notre patrimoine, à nous aussi. Elle est jeune, elle veut tout connaître et elle veut aussi nous faire découvrir beaucoup de choses, son pays, et puis elle nous fait connaître aussi tous les petits détails que seuls des gens d'un pays peuvent connaître.